STV, your TV. I don't like the way you are handling security issues in this town. Well, madam, just calm down and tell me what the problem is. Don't ask me to calm down. My husband is lying there in the hospital paralyzed and you're asking me reasons? I see nothing but for the fact that I'm better than you. Yes, you're better than me. But do you know why? Because I'm best. I am best. Mom, I don't like the way that so-called Frankie is running our company. If he continues like... Nos actes, faits et gestes ont-ils une conséquence juridique? On a rien fait. Africa 54 strives to... STV, your TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition vespérale d'informations sur Spectrum Télévision. Au sommaire de ce journal, la nouvelle fait le tour du Cameroun et ce depuis quelques heures seulement. Le bureau du conseil de chez la Fédération internationale de football association a décidé ce 23 août 2017 de nommer un comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football conformément à l'article 14 alinéa 1A et l'article 2 des statuts de la FIFA. Nous tenterons dans ce journal, on ne peut plus spécial de comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle décision avec un expert choisi sur le volet André Parfait-Bell, de même que l'entièreté de cette décision faisant office de communiqué qui vous sera donc rendu dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Nous le disons donc il y a quelques instants, la Fédération internationale de football association a donc décidé ce 23 août 2017 de nommer un comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football conformément à l'article 14 alinéa 1A et l'article 2 des statuts de la Fédération International de Football Association. Voici à l'instant l'entièreté de cette décision faisant office de communiqué. Une décision qui a donc été prise il y a quelques heures seulement. Et ce communiqué donc nous sera donné tout de suite par Yulène Etouké qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Yulène. Bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. En effet, la FIFA vient de prendre une décision dont voici le contenu. Le bureau du conseil de la FIFA a décidé ce 23 août 2017 de nommer un comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, conformément à l'article 14 alinéa 1A et à l'article 8 alinéa 2 des statuts de la FIFA. Cette décision est liée d'une part à la confirmation par le tribunal arbitral des sports TAS du jugement de la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique et sportif du Cameroun, laquelle a annulé la procédure électorale ayant mené à l'élection en 2015 de l'actuel comité exécutif de la FECAFOOT et d'autre part aux récentes tentatives infructueuses de la FIFA visant à rapprocher les différentes parties prenantes du football camerounais, ainsi sortir de l'impasse. Le mandat du comité inclut les tâches suivantes. Gérer les affaires courantes de la FECAFOOT, élaborer en consultation avec toutes les parties prenantes du nouveau statut ainsi que de nouveaux statuts qui soient en conformité avec les statuts et standards de la FIFA ainsi qu'avec la législation nationale obligatoire en vigueur. Réviser les statuts des ligues régionales et départementales et s'assurer de leur conformité vis-à-vis des statuts de la FECAFOOT. Identifier les délégués de l'Assemblée générale de la FECAFOOT ainsi que des ligues régionales et départementales. Organiser l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FECAFOOT.
Le comité de normalisation se composera d'un nombre opportun de membres qui seront désignés par une mission conjointe de la FIFA et de la CAF prévue très prochainement. Il œuvrera par ailleurs en qualité de commission électorale et chacun de ses membres ne sera éligible pour les postes au pouvoir lors des élections. Le mandat du comité de normalisation expirera au plus tard le 28 février 2018. Merci donc Julien Etouquet pour ce rendu. On vous le disait également en titre pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision rendue il y a quelques heures seulement par la Fédération internationale de football association. Nous avons donc sur ce plateau N'espère qui maîtrise donc ce sujet. Il s'agit d'André Parfait Bell qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir André. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de STV également. Alors, que doit-on retenir de cette décision de la Fédération internationale de football association? Ben, retenons déjà que la vérité finit par s'établir, quel que soit le temps que cela met. Retenons surtout qu'on a perdu beaucoup de temps depuis 2013. Ça va faire 4 ans qu'on tourne en rond. Ça va faire 4 ans que nous avons, un certain nombre d'entre nous en tout cas, proposé des solutions pour sortir définitivement du marasme créé par l'Assemblée générale et donc l'exécutif qui avait été élu en 2009 et qui nous a en fait conduit à la crise qui s'est ouverte complètement entre 2013 et 2014. Comme vous le savez certainement, il y a eu un comité de normalisation en 2014, dont on a dû proroger à 2 reprises le mandat parce qu'ils n'arrivaient pas à remplir les missions pour lesquelles ils avaient été désignés. Et en fait, ce comité a tant et si échoué qu'il nous a fourgué des statuts mal faits, que les instances juridictionnelles compétentes ont vite fait d'annuler. Avec les conséquences de droit qui en découlaient, c'est-à-dire avec le fait que tout ce qui avait été fait à partir de ces statuts ne se tenait plus. C'est pour ça qu'on a annulé l'entier processus électoral, c'est pour ça qu'on a donc annulé tout ce qui s'est passé des départements jusqu'à l'échelon fêtier qu'est la FECAFOOT à Yaoundé. Donc aujourd'hui, après des étalements, après une longue et épique bataille juridique que vous avez certainement suivie en tant que journaliste, eh bien, la FIFA s'est résolue, elle, à qui on commençait évidemment à jeter la pierre, parce qu'on ne comprenait pas qu'une décision qui semblait évidente pour tout le monde, qu'elle traînait les pieds pour elle pour la prendre. Et donc, elle a fini par se rendre à l'évidence qu'il ne fallait pas continuer d'envenimer la situation dans le football camerounais. Le Cameroun est un grand pays de foot, et ce que nous avons vécu ces dernières années a déplu à beaucoup de gens du foot. Je pense qu'aujourd'hui, l'occasion est donnée une fois encore, une fois peut-être la dernière, aux Camerounais, parce que le comité de normalisation qui se met en place sera composé exclusivement de Camerounais. Et bien, l'occasion leur est donnée d'enfin penser à l'avenir du foot camerounais et de mettre les bases pour qu'ils renaissent. Alors, quelles sont les incidences immédiates de cette décision? Tombi Aroko est-il encore habilité à signer au nom de la Fédération camerounaise de football? Alors, disons trivialement que vous posez la réponse. Monsieur Tombi a cessé d'être président depuis longtemps. Si ça avait échappé à certains, ben, il vient d'en avoir la définitive confirmation. Monsieur Tombi doit rentrer à ses chères études, si j'ose dire, et avec lui, tous ceux qui ont été dans le sillage de ces élections et de ces nominations. Parce que, comme vous le savez, le comité de normalisation, qui soit dit en passant, est une instance reconnue par le statut de la FIFA, qui est donc en fait un cadre de gestion de crise. Eh bien, lorsqu'il vient s'installer, il efface tout ce qui existait. C'est pour ça, d'ailleurs, j'anticipe éventuellement sur une de vos questions, c'est pour ça que les tenants du retour à un exécutif de 2009 avaient fait fausse route, parce que le comité de normalisation du professeur Onaki était arrivé, était venu mettre en définitive un point d'arrêt à ce qui se passait avant, c'est-à-dire au comité exécutif qui avait précédé l'arrivée du comité de normalisation, et aujourd'hui c'est bis repetita. Donc le comité de normalisation qui vient s'installer fait table rase de ce qui s'est passé. La longue, difficile et douloureuse parenthèse tombe bien fermée, et je pense que pour une fois,
elle est fermée définitivement. Et il est un secret pour personne que le Cameroun va accueillir la CAN 2019 dans les tout prochains mois. Est-ce que cette décision aura un impact sur l'organisation de cette compétition africaine? De mon point de vue, elle aura absolument un impact et plutôt un impact positif. Le premier impact, c'est que désormais, personne ne pourra plus dire hors du Cameroun que le Cameroun, que le foot camerounais dans sa fédération est dirigé par quelqu'un qui n'en a pas la qualité. La deuxième conséquence, c'est qu'il y a quand même un nombre important de Camerounais qui continuent d'espérer que le Cameroun est un état de droit et que la vérité ait encore quelques places. Eh bien, c'est quelques-uns qui avaient commencé à s'imaginer toutes sortes de rancœurs au point de confondre la Coupe d'Afrique des Nations qu'organise le Cameroun avec des actes qui seraient ceux du seul M. Tombi et de ses affidés. Eh bien, ces gens-là ont aujourd'hui raisonnablement le droit d'être totalement disposés à conduire la démarche du Cameroun, de l'État du Cameroun, pour l'accueil de cette CAN, en y donnant tout ce qu'ils ont, y compris leur... y compris leurs effluves positives. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une sorte de réconciliation de l'ensemble de la famille sportive camerounaise et au-delà pour dire que oui, le Cameroun aujourd'hui, sauf si des terres d'une autre nature venaient l'en empêcher, ben le Cameroun aujourd'hui a un boulevard ouvert pour l'organisation de sa CAN de 2019. Oui. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que ça pourrait être une autre manigance de la Fédération internationale de football association pour déstabiliser l'organisation de la CAN 2019, et quand on sait surtout que Infantino avait soutenu la candidature de Ahmad Ahmad pour la présidence de la FIFA? Bon, d'abord, il faut qu'on cesse d'imaginer une tempête dans un verre d'eau. Monsieur Ahmad n'est pas capable d'empêcher le Cameroun d'accueillir la CAN. Sa volonté seule ne suffira pas. Il n'est pas propriétaire de la CAF et encore moins du mouvement sportif camerounais. Jusque-là, le Cameroun avait eu le malheur d'avoir un plénipotentiaire en la personne de celui qui faisait office de président de la FECAFOOT, qui n'avait, en plus de son incapacité du point de vue juridique à être président de la FECAFOOT, qui n'avait pas les qualités requises pour défendre un certain type de dossier du Cameroun. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Je ne sais pas qui sera à la tête de la normalisation, mais j'espère beaucoup que ce sera un Camerounais sain d'esprit et de corps et qui travaillera pour l'intérêt du Cameroun. Donc, non, je pense que la FIFA n'a aucun intérêt à se priver du Cameroun. Le Cameroun est en Afrique, je répète encore, parmi les nations qui comptent en matière de football. Le Cameroun ne peut pas souffrir d'une quelconque volonté de la FIFA de nous empêcher de faire quoi que ce soit. Monsieur Infantino, Monsieur Ahmad et les instances pour lesquelles ils travaillent ne vont pas empêcher le Cameroun d'organiser sa CAN. La balle est dans le camp du Cameroun, que les autorités du Cameroun prépare sereinement l'organisation de la CAN. Aujourd'hui, l'une des conséquences, évidemment, c'est qu'il va falloir refaire un comité d'organisation de la CAN rapidement. Et voilà, donc ça viendra en temps utile. Merci André Parfait. C'est moi qui vous remercie et je dis aux téléspectateurs de STV qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de quoi que ce soit. La CAN aura bel et bien lieu au Cameroun. Ah bon, pour ce qui est de la CAN, il n'y a aucun problème. Voilà. Et qu'on aura très vite un comité de normalisation. Oui, la CAF, alors selon le communiqué que votre collaboratrice a bien voulu lire à l'antenne, la FIFA et la CAF vont se mettre d'accord relativement rapidement, je pense avant la fin de la semaine prochaine, pour désigner les gens qui vont être dans ce comité. Merci également à vous, Yulène Etouquet. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal se poursuit. Peut-être avant de le poursuivre, on va tout simplement rappeler que le bureau du Conseil de la Fédération internationale de football association a décidé ce 23 août 2017 de nommer un comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football conformément à l'article 14 alinéa 1A. Et l'article 8, alinéa 2 des statuts de la Fédération internationale de football association. J'ose croire que vous avez donc pu retenir quelque chose de la démonstration intellectuelle que a bien voulu nous faire notre invité, espère, sur le volet, en la personne de André Parfait Belle. On va poursuivre donc ce journal avec cette information en politique, inscription sur la liste électorale
À quelques jours de la clôture du processus pour l'année 2017, l'évaluation du taux d'inscription des femmes reste insatisfaisante. Il faut accroître la sensibilisation et les campagnes éducatives, avis d'experts rencontré par notre reporter Olivier Bouzeque depuis la capitale politique. 2017, Elections Cameroun a enregistré 6 367 750 personnes inscrites sur les listes électorales, parmi lesquelles on compte 98 909 personnes nouvellement inscrites dans la catégorie femmes. Un taux d'inscription de la gent féminine pas encore satisfaisant selon le professeur Justine Ndifo. C'est vrai que le résultat obtenu aujourd'hui n'est pas très satisfaisant. Lorsqu'il faut travailler sur le changement de comportement, sur le changement des mentalités, il faut être patient. Il faut être patient parce que tout ce qui touche au comportemental prend du temps. Le temps de la sensibilisation, le temps de l'éducation, le temps de la mobilisation. En 2016, à ce stade du processus d'inscription sur le fichier électoral, ELECAM enregistrait 203 607 nouvelles électrices. Le désintérêt des femmes pour la politique et les difficultés dans le changement de mentalité sont quelques facteurs qui peuvent justifier la réticence de la gent féminine face aux inscriptions sur les listes électorales. Et sans carte d'identité, on ne peut pas prétendre s'inscrire sur un fichier électoral malgré la bonne volonté de l'équipe d'Elections Cameroun. Comment amener les femmes et les jeunes filles en âge de voter à s'inscrire massivement sur le fichier électoral? Comment les amener à aller retirer les cartes d'électrice, surtout dans les zones rurales? Mais nous travaillons aussi avec tous les autres ministères, les autres institutions sectorielles qui ont un intérêt quelconque à travailler sur les questions électorales comme objet et sur les femmes et les filles en âge de voter comme sujet électoral. La phase d'inscription sera bouclée le 31 août 2017 et pendant que les inscriptions se poursuivent, il est capital, selon le professeur Justine Ndifo, d'intensifier les sensibilisations des femmes sur l'engagement dans la chaîne du processus électoral qui est un acte citoyen. Et restons toujours en politique pour parler maintenant de l'Union des populations, l'Union donc nationale pour la démocratie et le développement qui vient de renouveler ses organes dirigeants. Il s'agit désormais d'une équipe qui désire porter haut l'idéologie du parti au fin donc d'obtenir plus d'élus en 2018. Flo Kenny. François-Xavier Wollon est maintenu à la tête de la Fédération départementale de l'UNDP de la MIFI pour un mandat de 5 ans. Il a été réélu par consensus. Son installation, tout comme celle de ses collaborateurs des sections de Bafoussam 1er, 2e et 3e, ont été faites par le secrétaire général du parti en présence de plusieurs membres du comité central. Le docteur Pierre Flambeau-Gaillap a invité les élus à travailler en parfaite collaboration pour mieux préparer les prochaines échéances électorales. Cela témoigne de l'unité et de la solidarité entre tous les militants de ce département de la MIFI. Le nouveau président de la Fédération départementale de l'UNDP rassure sa hiérarchie sur les stratégies mises sur pied pour avoir le maximum de suffrages en 2018 et invite ses collègues à travailler sans crainte et dans le respect des tests nationaux et de l'UNDP. Nous allons toujours continuer dans cette dynamique à faciliter l'adhésion à l'UNDP. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas gagner des élections en 2018. Donc nous accentuons à communiquer, nous accentuons à éveiller, à attirer l'attention des populations sur des différentes mensonges. Comme d'habitude depuis quelque temps, le meeting de l'Union nationale pour le développement et le progrès s'est achevé par la remise des dons aux individus et institutions parmi lesquels 5 journalistes et la commune de Fumbot.
Parlons à présent de la croissance économique et le développement durable. Le Cameroun se met donc à l'école du nouveau programme de développement intitulé « Transformer notre monde ». Le programme de développement durable à l'horizon 2030, croissance économique, intégration sociale et protection de l'environnement sont les projets majeurs. Il est aujourd'hui question d'assurer la contextualisation de ce programme qui tourne autour de 17 objectifs déclinés en 169 cibles. Il s'étendra donc sur les 15 prochaines années. À cette occasion, un atelier s'est tenu dans la capitale de politique. Le reportage de Mireille Sabzier. L'option des objectifs de développement durable et des cibles y afférentes intervient dans un contexte pour le cas du Cameroun marqué par d'énormes défis au plan socio-économique et sécuritaire. Le gouvernement a entamé depuis septembre 2015 le processus de contextualisation des ODD qui comprend plusieurs étapes. À l'issue des trois premières, un rapport national de contextualisation de priorisation a été élaboré, prenant en compte des ateliers d'appropriation, des travaux de localisation lors de la troisième étape. Il faut dire qu'un nombre restreint de cibles a été retenu comme étant prioritaire, tenant compte du contexte du moment dans le pays. On était dans l'accomplissement des EMD, qu'on a constaté, et les pays ont constaté qu'il y avait des retards. Donc maintenant, avec les SDG, c'est un nouveau concept, il fallait commencer par l'appropriation de ces concepts même. Et après aussi, il fallait contextualiser en tenant compte même de notre priorité. Il fallait considérer donc les secteurs, certains secteurs phares. On parlait de l'éducation, on parlait l'énergie, des infrastructures et même le partenariat même. C'est pour ça que... L'objectif de l'atelier de Yaoundé est d'enrichir le projet de document national de contextualisation et de priorisation des objectifs du développement durable élaboré et de proposer une démarche pour son opérationnalisation. Ouvrons à présent notre dossier consacré à l'éducation et d'entrée pour la rentrée scolaire 2017-2018. Le ministre des Enseignements secondaires instruit tous les acteurs de son département ministériel de mettre en application les mesures mises sur pied pour lutter contre les violences de genre en milieu scolaire. À cet égard, les chefs d'établissement scolaire s'imprègnent de la règle à suivre. Ils ont 3 jours en travaux à Yaoundé et se souvent la tutelle du ministre Jean-Ernest Ngalet Bibier. Reportage. La violence de genre en milieu scolaire est définie par l'UNESCO comme acte ou menace de violence sexuelle physique ou psychologique perpétrée dans les écoles et leur environnement résultant de normes et stéréotypes de genre et imposés par les rapports de force inégaux. À multiples facettes, il s'illustre de différentes manières. Insultes, intimidations, harcèlement et abus de toutes sortes. Coercition, agression. Le phénomène de violence en milieu scolaire affecte non seulement les personnels qui y sont en service, mais également et surtout les élèves, garçons et filles, indifféremment. Le ministre des Enseignements secondaires, prenant à bras le corps le phénomène, instruit ses collaborateurs, chefs d'établissement scolaire, à travers la lettre circulaire du 12 janvier 2006, à prendre des mesures devant conduire à prévenir les violences en milieu scolaire par la prise de toutes sortes de mesures devant conduire à lutter contre ces violences, y compris celles qui affectent particulièrement les jeunes filles. Les faits divers rapprochés s'avèrent dans les établissements scolaires. Atteste la récurrence du phénomène ci-dessus décrit. Il vous revient par conséquent de veiller à la constance de la mise en application des mesures de lutte contre ce fléau, qui constitue une entrave certaine à l'atteinte des objectifs de l'éducation. Votre responsabilité est d'ailleurs plus grande au regard de la composante sociale dont vous avez la charge. Il est à observer que les questions de genre représentent un facteur vecteur de nombreuses formes de violence et la prise en compte du genre dans l'analyse de cette violence peut aider à élaborer les approches de prévention et de lutte contre ce phénomène. Ainsi, le ministère des Enseignements secondaires mobilise tous les acteurs du secteur pour la prise de mesures pouvant contribuer à endiguer de manière significative et permanente le développement de ce fléau en milieu scolaire.
Parlons à présent de l'introduction dans le programme scolaire de cette pièce sur Rudolf Douala Mongabel, Gumea Jinea, la foi inébranlable de Rudolf Douala Mongabel. La décision a été rendue publique hier à travers un communiqué du ministre des Enseignements secondaires. Et la rédaction de Spectrum Télévision a bien fait d'aller et cueilli à froid la réaction des historiens et politiques. Cela s'est fait en présence de Leila Rimganze. La vie de Rudolf Douala Mongabel en 4 années, de son intronisation en 1910 à sa pendaison en 1914, fait son entrée en livre cette année dans le programme scolaire pour les élèves de la classe de terminale de l'enseignement secondaire général sous système francophone. En effet, plus d'un mois après la publication de la liste officielle des manuels scolaires pour le compte de l'année 2017-2018, le ministre des Enseignements secondaires vient de décider de l'introduction dans les cours de cette pièce théâtrale, Gumea Jinea, la foi inébranlable de Rudolf Douala Mongabel. Loin de s'attarder sur ce qui semble faire désordre, à jour manuel scolaire après publication de la liste officielle, les historiens, dont le professeur Victor Caquet, saluent la décision qui, mieux vaut tard que jamais, veut enseigner aux élèves l'histoire de leur pays à travers ce qu'ils l'ont fait. Il faut dire que la quotité en termes de proportion accordée à l'histoire du Cameroun dans tous ces programmes-là, elle est très mince. Donc lorsque nous avons eu cette nouvelle de l'introduction de cette œuvre-là, Gumea Jinea, au programme littéraire des classes de terminale, nous avons eu chaud au cœur parce que cette œuvre aborde des thématiques qui sont des thématiques actuelles et qui sont très importantes pour la construction même de la conscience nationale chez tous les Camerounais et chez les jeunes en particulier. Nous savons très bien que lorsqu'on regarde un peu les différents compartiments de la vie de notre pays, l'analyse des faits peut montrer qu'à certains moments, des comportements traduisent le fait qu'il y a un déficit en termes de promotion de ces icônes. Réaction identique chez les politiques lorsqu'on sait que pendant très longtemps, les uns et les autres ont décrié le fait que l'école et ses manuels étaient complètement coupés des réalités camerounaises. On est dans une saison où le patriotisme, l'amour de la patrie est de retour. Parce que nous faisons face à des entreprises de recolonisation, d'anéantissement des conquêtes du passé, telles que la souveraineté, les indépendances. On est dans une période de déracinement permanent. La mondialisation est violente. Elle est violente sur le plan culturel, elle est violente sur le plan économique. Donc il est bon d'enraciner nos enfants, d'enraciner les nouvelles générations dans les valeurs pérennes. Les élèves ont donc 12 jours avant leur rentrée scolaire pour acquérir cette pièce théâtrale de David Banga et Yomboin, en apprendre davantage sur son contenu et sur Rudolf Douala Mongabel. Avant de conclure ce journal, reparlons de sport. D'ici 8 mois, le star de Mbappé Lépé sera remis à neuf. L'assurance est donc du maître d'ouvrage. L'air de jeu qui fait partie des stars d'entraînement retenus pour la CAN 2019 est en chantier depuis lundi dernier. Le constat a été fait par notre reporter Oriane Donquin. D'ici quelques heures, ces joueurs, vendeurs et autres enfants de la rue n'auront plus accès à ce site. Le stade Mbappé Lépé de Douala, qui fait partie des espaces retenus pour les entraînements pour la CAN 2019, est en pleine reconstruction. Tout sera détruit, sera rasé et on mettra un stade d'entraînement pour la CAN 2019 dans ce site. Oui, le stade Mbappé Lépé aura une contenance de 4000 places assises. Et un côté tribune présidentielle, comme on dit vulgairement, couvert de 1800 places. Dans les normes de la CAF, nous aurons également trois vestiaires, c'est-à-dire vestiaires arbitres, vestiaires des deux équipes qui s'entraînent, équipe A, équipe B, une salle une salle médicale, la plupart du temps, un poste de police. Mais il respectera les normes CAF avec un terrain d'éclairage gazon naturel. Facilement distinguables, les ouvriers en combinaison de travail sont à pied d'œuvre depuis lundi dernier pour un chantier qui mettra 6 à 8 mois. Tout dépend de la pluviosité parce que nous ne sémons pas le gazon en saison pluvieuse. Donc c'est la pluviosité qui peut tout simplement un peu prolonger les délais de 8 mois, mais à la base nous livrons un stade à 6 mois. Réputé pour abriter des personnes peu recommandables, les responsables du chantier rassurent. Des blocus, nous n'en rencontrons pas tellement parce qu'aujourd'hui, les autorités
en place, s'efforce à mettre tout en œuvre, toutes les dispositions possibles pour nous mettre à l'aise et qu'on puisse travailler sans aucun blocage particulier. Car ce matin, il y a eu un rafle de la police dans le site. Entièrement reconstruit par une entreprise française, le stade Mbappé-Lépé n'est pas la seule aire de jeu qui connaîtra un coup de neuf. La société française qui construit deux stades d'entraînement dans la ville de Douala, c'est-à-dire le stade Mbappé-Lépé et le stade Bonamoussadi. Nous avons commencé par le stade Mbappé-Lépé du fait où nous avons un problème de démolition, ce qui est différent du site Bonamoussadi où il n'y a rien à détruire, c'est un site déjà prêt. Vu que les pluies nous empêchent de commencer, vous savez comment il y a plus à Yaoundé, à Douala, pardon, est élevé. Nous commençons par la destruction et d'ici quelques semaines, les travaux commenceront en eux-mêmes. Plus que 8 mois donc, et cet espace vieux de 59 ans aura un nouveau visage, un visage neuf. Depuis le stade Mbappé-Lépé, ici à Douala, Gilbert Manguet, Orient Donquin, pour STV. Merci, 20h. Vous retrouverez donc Pita Saucé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Bonsoir. STV, your TV.